Nightingale. Elle saura ce qu'il faut faire. Je suis certaine que ces expérimentations ne font pas que du bien à nos patients. Ce docteur Eliotson est loin d'être un médecin comme les autres. On ne peut pas laisser le docteur Eliotson continuer ses expériences. La phrénologie pratiquée avec rigueur permet de découvrir l'un à partir de l'observation. Et lui a dit de dégager, mais elle veut pas sortir sans sa clé. Tu sais qu'elle va le signaler à Miss Nightingale. Starik nous a parlé de toi, assassin. Voilà venir la fin. Mais seul le commencement occupe mon esprit. Un avenir radieux, nourri du sang des visionnaires. Tout ce que je vois, c'est le sang d'un savant. Tu crois vraiment que le sang d'un vieillard arrêtera le grand architecte du genre humain? Crawford Starik forge le dessein glorieux de l'humanité. Ce qu'il forge, je le briserai. Tu n'es qu'un enfant. Un enfant qui croit pouvoir chasser les malheurs du monde d'un coup de lame. As-tu déjà réfléchi aux conséquences de tes actes, Jacob Fry? Ou ton père ne t'a-t-il rien enseigné? Yeah.
tout ça. Eliotson est mort et la fabrication de sirop calmant a cessé. C'est un scandale. Fry entend livrer notre belle ville de Londres aux mains de la populace. Ou peut-être n'entend-il rien du tout. Merci, et se contente-t-il de jouer avec nos vies. L'asile est fermé. Toute l'infrastructure médicale de la ville est perturbée. Cet homme ne comprend décidément pas les conséquences de ses actes. Il s'agit assurément d'un anarchiste. Messieurs. Ce thé est arrivé des Indes ce matin, par bateau. Transporté du port jusqu'à une usine, où il a été emballé, puis apporté chez moi en carriole, préparé à l'office et enfin porté jusqu'à ce bureau. Tout cela par des hommes et des femmes que j'emploie, qui me sont redevables, à moi, Crawford Starrick, de leur travail, de leur temps et même de leur vie. Ils travaillent dans mes usines et leurs enfants feront de même. Et vous venez me parler de ce Jacob Fry. Ce misérable insecte insignifiant qui se prétend un assassin. Vous manquez de respect envers la ville qui œuvre nuit et jour pour que nous buvions ceci. Ce miracle, ce thé. Mes recherches sont sur le point d'aboutir. Notre ville bien-aimée n'aura bientôt plus à souffrir des agissements de ce minable criminel. Mais qu'en est-il de sa sœur, Miss Fry? Je l'étriperai de mes mains. J'en fais le serment. Un délice. Désolé de t'interrompre, initié. Je veux juste que tu saches que Sean et Rebecca ont échappé à Otzoberg. Berg dirige l'équipe Sigma, assistée de Violette d'Acosta, son experte technique. Il traque et tue des assassins depuis bien trop longtemps. Heureusement, tu n'as rien. Oh, t'inquiète. Ce n'est pas un super soldat des Templiers qui mettra fin aux glorieuses aventures de Sean Danger Hastings. Je m'adressais à Rebecca. En tout cas, la présence de Berg nous confirme que le fragment d'Eden est à Londres. D'après les données de l'initié, il s'agit du Suaire. Les Templiers ont l'air pressés de mettre la main dessus. Ils doivent savoir quelque chose qu'on ignore. Je ne sais qu'une chose. On ne sera pas de taille à affronter l'équipe Sigma. Je m'en occupe. En attendant, faites profil bas. Laissez l'initié poursuivre sa synchronisation des données.